Là, je suis un peu en retard, donc je vais vite aller à la conférence. Alors, elle est où cette conférence? Je vais dans aller recto verso festival. Bonjour à tous. Ça doit être conférence venue. Voilà, donc allez, hop. And in order to get the best view of the stage, use the screen zoom buttons on the top of your screen and remain seated during the conference. And feel free to use the public chat to react and ask questions at the end of the conference. Thank you very much. Welcome, Ursula. Good morning for the second day of Recto Verso. This is a full landscape on the transformation that today the cultural institution faces today. So we'll start with Raymit. Digital realities, extending art and museums experience. And this is actually what we are doing right now. We are expanding our experience. See lots of people, yeah, today it's almost hard to believe we can have more than 5,000 people at the same time. Online noir et blanc, black and white exhibition visit. Prior of its opening in the physical gallery, it's a real victim of the COVID situation. Bon, moi je suis là. Voilà, là qu'est-ce qu'il y a? Là il y a le Mans. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Oh non, je regardais ce. Comme je le Mans, je connais. J'ai d'ailleurs la collégiale du Mans reproduit en 3D sur mon île virtuelle. Ah. Enfin, mon expo dans la collégiale du Mans, mais on reconnaît la collégiale. Voilà, ce que vous voyez sur l'écran, c'est mon île de Second Life en direct. Là, je suis en ce moment en direct, je partage l'écran sur mon île virtuelle. On va aller vers le musée des arts décoratifs du Moyaland. Et là, ça, c'est des bus que j'avais fait pour la ville de Cannes, qui voyageait sur la croisette et qui était en rapport avec le festival de Cannes. Là, c'était pour Paradis Design à Marseille. Une manifestation de design, j'avais créé des meubles dans un atelier virtuel. Et là, on va à l'université et à l'étage qui... Ça, c'est des installations, ça permet de faire des essais pour faire des installations où on émet du son quand on traverse des différents éléments. Là, je ne sais pas si vous entendez. Tiens, on va prendre l'avion pour revenir au centre parce que c'est un petit peu loin. Donc il y a un aéroport ici où on peut reprendre l'avion pour aller sur le second aéroport qui est plus près du centre. En route. Really could see the difference between the interest of clients now and 10 years ago. So the private clients were really the first buyers. And then we have the foundations, and then we have the museum and centers. So hopefully we had curators who really supported us, and that's more expensive than in virtual ones. You have to think about the insurance, you have to think about the transport, you have to think about the production of the artwork, as you really have. Physical exhibitions, because then the pandemic started. I do not see the images here to the right. I don't know what the reason is, but basically when the pandemic started, we at Synthesis sat together and thought of like ways in which we could still bring VR art of festival for digital art. I've, you know, spent some time wandering around and I've greatly enjoyed everyone's efforts, truly, truly remarkable. So I will for my presentation, since the topic of the conversation is of the talk is the curation of, you know, offline versus online exhibitions, I would like to conversation on ecology, the eyes of late learning with augmented, with AIs and computers. In Mr. Cho's work and through the experience of Indian waste pickers in Mr. Sundaram's, both works prompt the viewer to reflect on questions of nature and natural beauty. For the category of failed empires, the digital artist Miao Xiaochun.
to the bandouche then. So people can see the recreation of how the series of research that tried to impede the natural evolution of who we are. This photo series by Tim Dusen and Manuel Zimmer. And this space is the project by an amazing woman. Her name is Phoebe Greenberg. She's a cultural entrepreneur, a visionary, a philanthropist. And she has built this space to really host really all forms of art, as I just said. In the last years, the first project that we put together is called Parallel Line, which was a virtual artistic residency. Il y a quelqu'un vite, il y a quelqu'un dans ma salle, non? Une virtuelle de Second Life. Donc ce que vous voyez, c'est moi en direct en ce moment dans mon île virtuelle. D'accord. Voilà. Pas des questions sur votre apprentissage, votre formation. Oula. Ah ouais, alors moi j'ai fait la Villa Arson à Nice, qui est l'école des arts décoratifs de Nice. D'accord. Ouais, mais dans les années 74-75. 76. D'accord. Voilà. Ben, moi mes outils, c'est tout à la fois. J'ai fait de la peinture, de la sculpture, de l'art numérique, des mondes virtuels, je peins des fresques, je fais des expos, qu'est-ce que je fais encore? Tout. Tout ce qu'on peut faire sur tous les matériaux, en fait, de la céramique, du bronze. Mais parce que je suis vieux aussi, c'est pour ça, j'ai fait tout, à force. Oui, ils m'ont envoyé le plan, et donc je suis en train de préparer le lieu pour pouvoir préparer mon expo, pour savoir les œuvres qui vont être envoyés. Donc je prépare ici, je prépare toutes les expos. Donc là c'est à Saint-Étienne, c'est arrêté aussi. Là c'est à Niort, là c'est au musée de Niort, mais là c'est arrêté aussi. C'est-à-dire tout est reporté d'un an. En fait. Une sculpture en 3D qui existe en réel. En fait. Donc ça c'est la copie et ça c'est la vraie. Donc, ça c'est à Taïwan, l'autre aussi est à Taïwan. Il y a au Japon, il y a des trucs. Donc ça me permet d'avoir l'ensemble de mon œuvre, en fait, enfin œuvre, c'est beaucoup dire, mais l'ensemble de mon travail réuni en un seul espace et dans un même temps, en fait. Il n'y a pas de chronologie, c'est vraiment... On se fait deux chapelles peintes, j'ai peint une chapelle, il y a une messe à Noël, il y a un prêtre qui vient donner une vraie messe. Ah ouais, carrément. Oui, c'est l'aumônier des artistes, enfin le délégué épiscopal à la culture, je lui ai créé un avatar, il vient chaque Noël donner une messe aux avatars, en fait. Donc il vient ici ou dans une autre église qu'on a construite, et il donne la messe. Et ça, c'est une chapelle que j'ai peinte où je me suis représenté dans tous les personnages. D'accord. Bon. Okay. Et qui est dans l'arrière-pays niçois, en fait. Vous êtes originaire de là-bas, c'est ça? Moi, je suis à Nice, donc c'est bon. Et quand vous arrivez là, si je suis pas là, vous pouvez vous téléporter partout. C'est dans tous les musées. Et on peut même aller au carnaval de Nice, tiens. Téléporté. Voilà, là, on est au carnaval. Et minuit, voilà, c'était à minuit. Donc, il y a des lumières, il y a plein de trucs. Et on a une régie pour gérer les lumières. Ces lumières bougent. Donc, j'avais quelqu'un qui gérait les lumières. Donc, elles peuvent bouger. Enfin, il y a tout un... Je crois que la régie, elle est cachée dans... Voilà, elle est cachée là. Ouais. Donc, elle m'a tout écrit, mon assistante. Elle a tout écrit pour savoir comment ça bouge. Mais bon, c'est un peu compliqué. Ouais. Maintenant, c'est pris au jeu. Et on a... Parce que c'est l'expo qui devait s'inaugurer en novembre. Et qui n'est toujours pas ouverte. C'est une expo sur mon travail dans les années 75 sur la télé. Et donc, du coup, c'était peint et ça a été effacé depuis. Donc, ça ne peut être vu que dans Second Life. En fait. C'est un travail sur combien d'années là, qu'on voit en fait en tout Là, mon île, ça fait 10 ans de travail à peu près. Wow. Mais bon, je ne travaille pas tout le temps. Hein. Le soir, je m'amuse. J'ai une boîte de nuit. Si vous voulez venir danser le soir, il y a une. Il y a une DJ qui gère une... Enfin, il y a une boîte de nuit fictive qui montre mon travail sur les Dolly Parties. C'est des soirées électroniques. Une partie de mon travail vient des soirées électroniques. Avec la Dolly, la brebis Dolly. C'est une soirée très connue dans le sud. Où, samedi, il y a des soirées. Mais là, c'est pas moi qui le gère. C'est une DJ qui gère ça et qui s'occupe de faire venir du monde. J'ai vu qu'il y avait un physio à l'entrée. Vous croyez que je vais pouvoir rentrer? Ah oui, là, tout le monde peut rentrer, oui. Il faut juste pas être tout nu, parce que moi, c'est une île tout public, c'est pas une île adulte, donc il faut pas qu'il y ait de nudité d'avoir toute cette surface, c'est que ça vient quand même à presque 600 euros par mois, à peu près,
de serveur. Donc c'est un petit peu cher. Mais, ça, mais moi j'avais toujours rêvé d'être dans l'œuvre. Alors du coup, là je vis à l'intérieur de l'œuvre. Alors, je m'amuse. Théorie, je lui ai donné tout un tas de textes que j'avais écrits. Et il fait des théories. Voilà, il est là aussi, voilà. Université of Moya. Donc on s'assoit là, on dit quelque chose et il répond. Normalement il répond. Non. Je vais lui dire bonjour quand même parce qu'il faut être poli. J'ai appris à être poli dans ce monde. Bref. Parce qu'avant je disais jamais bonjour. Oula, transparence du chef-d'œuvre en réseau, tel un hologramme. Voilà, ça c'est sa théorie. Celui. Il y a mon assistante qui est là. Tiens. Camerina. Ah bah elle est assez habillée en tenue. Voilà, j'étais en train de présenter. Bonjour. J'étais en train de présenter à des doctorants, des docteurs. Et de l'université Savoie-Mont-Blanc. C'est bien. Ah, mais elle est dans Second Life. Oui, là, elle est dans Second Life. Ah, et c'est elle qui a fabriqué justement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, les animesh. Voilà, c'est elle qui fabrique ça sur Blender. Voilà. Elle est spécialiste de Blender et d'Unity aussi. Tout ce qui est Unity, Blender. Ah, bah, welcome, Ellen. Welcome, Beth. You can come on stage. And this first session is focused on performance in real and virtual spaces. Very short video just to give a tiny little sneak peek into some of the work that has been done. And you can go and have a look at that. It's only 5 minutes long and it just gives you a little, it's basically a blank canvas or an empty room where logged in players can upload and manipulate. Oui, Sur l'idée que les futurs médias allaient faire que l'artiste allait devenir la créature plutôt que le créateur, enfin toute une histoire. Et donc je faisais que des émissions de télévision en direct à l'époque, depuis un studio à la Villa Arson jusqu'à un amphithéâtre. Et donc j'avais créé des réseaux, il fallait être sûr de ce qu'on allait amener. Donc avec la curatrice, le soir on était dans Second Life et on posait les œuvres pour savoir où elles allaient aller en fait, en fonction de leur dimension, etc. Et donc ça a permis d'être sûr de la disposition. J'ai passé les gens sur une webcam, je les appelais. Et ils avaient un avatar à disposition et ils me parlaient. Et là j'avais peint entièrement comme la civilisation Moya, voilà, avec toute l'évolution de la créature. J'ai peint entièrement le lieu. Et à la fin, quand ils arrivaient à la fin de l'expo, ils avaient un ordinateur avec un avatar. Et moi je les voyais ici sur cet écran. Et je leur parlais. Ouais. C'était en 2011. En 2011. Ça, ah oui, il y a toujours des petits. Ça, c'est une porte. Et est-ce qu'on peut voir aussi le musée imaginaire, du coup? Ah, bah, musée imaginaire, voilà, c'est ça. Là. J'ai fait une 2007. Ouais. Ça, c'est les œuvres qui ont été vendues en 2007. J'avais même vendu au Crédit Agricole, quand ils étaient dans Second Life, une œuvre pour leur bureau. Donc, quand même, géographiquement. Allez, c'est Zine. Bonjour, Zine. Des personnages en 2D jaloux de l'avatar et du coup ils protestent, ils sont contre la dictature de l'art. Voilà. Ah mince. Et quand je fais une visite guidée, je les bombarde généralement. On les bombarde et ils savent pas que c'est moi qui les ai créés. Je viens à le recto verso. Voilà, donc là je vais prendre un ticket. Toc, j'ai pris mon petit ticket. Je suis numéro 1. Super. J'attends parce que j'ai besoin d'un petit conseil technique. Ah, quelqu'un qui arrive. And will future museums exhibit art? J'ai oublié un petit truc. Attendez. Non. J'aimerais bien réussir à mettre au plafond. Cette espèce d'épaisseur de l'image dans laquelle on pénètre, alors justement par la VR, et qu'on ne pourrait pas le faire avec notre corps réel normalement. Et donc, cette épaisseur de l'image, on va rencontrer une forme de sensualité, mais qui n'appartient qu'à l'image, qui n'appartient pas. Et quand je te parlais de zone d'affection, ce n'est pas l'affection d'un autre corps, c'est l'affection de l'image qui. Tu vois, comme une espèce de voile, quoi, comme quelque chose qui vient nous recouvrir et qui transforme notre propre corps par rapport à ce qu'il est en train de toucher.
Oui, voilà, je rebonjour. Oui, je suis là. Oui, voilà, je voulais vous présenter le monsieur dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui vient d'arriver, qui est conservateur à Nice, oui. En réel. Il est long, bonjour. Et voilà, Eric, je te présente Gaëtan Robillard de l'université Gustave Eiffel. Tiens, il y a Yann Mine qui vient d'arriver. Voilà, et Eric, donc, est le conservateur de l'artistique à Nice, la Donation Ferrero. Et ce qu'on voit sur l'écran, c'est le vernissage de l'artistique en virtuel qui a été fait à la date où devait avoir lieu le vernissage réel. Ah, il faut que je fasse prête ? Oui, ah oui, il faut que tu allumes la vidéo. C'est chacun la démarche qu'il veut. And we also questioned the reality of new hybrid museums and virtual museums, especially during the pandemic. So producing images that are not existing, so it's based on generative methods, on generative aesthetics too, which in fact started already more than 50 years ago. But today, with deep learning and new discoveries in this area, the deep learning network, our students in engineering faculty in the University Gustave Eiffel. So their approach is very much oriented in programming, but they also have classes that are artistic classes. And I wanted them to meet. Something to say around this subject? Well, to find some, there are some documentation and some research association about learning and teaching in virtual world. I know that immersive education and immersive learning association produce some conference about this subject. Can find on. During 10 days with my students, the goal of the workshop was created 5 projects to exhibit here in the space of a special office. Started in the April 6, ending April 12, and I upload the result Monday and Tuesday, and maybe Wednesday morning. But I think you know what happened. French president spoke. And school closed after April 6th for 3 weeks. So I canceled the special sort of feedback. Right. So I will show you a little of my new museum that you certainly. You can download the standalone Mac PC version of the new museum to try it. One of the most emblematic virtual galleries of the new museum is Aristopunk really, because it doesn't require any connection to digital art, his definition. With cybernetics, has gone pirating the tools to really explore the layers of digital creations and thus. Oui, alors il y a beaucoup d'années, en 2008, 2009, 2010, je tenais des cours au Polytechnique de Milan. C'était multimédia. Et ensuite, j'ai travaillé, oui, comme rédacteur en chef de AD Italie. Et maintenant, j'ai un cours à l'Académie Galli de Como. Là, c'est art et monde virtuel. Et aussi, Patrick a été comme invité. Ça fait beaucoup de plaisir pour les étudiants, pour moi aussi. Et comme ça, oui, je cherche de maintenir ce Kupai White Walls, oui, que Patrick et toi, Suzanne, peut-être connaissez. Et c'est une plateforme pour l'art. Ils ne veulent pas qu'on le considère un monde virtuel tout à fait. Et il y a presque 90 000 galeries. Mais que j'ai vraiment formalisé il y a pas longtemps en travaillant sur la notion de même. C'est-à-dire Richard Dawkins, l'inventeur du mot même, qui l'invente très très tôt. Hein, c'est-à-dire c'est en 1974 que le mot même apparaît dans notre histoire. Dans le, ne sont que la métaphore de ce tropisme cérébral fondamental. Nous construisons en permanence des cosmogonies virtuelles. Et donc, notre esprit
à cette transe déjà à dire que paradoxalement, si on veut impliquer beaucoup plus fortement le spectateur, bah, il faut le mettre à la troisième personne dans le monde virtuel. Après, bien évidemment, hein, c'est des intuitions du Yan Mim, il faut valider la chose. Tu te mets le vibreur sur la cuisse, sur l'épaule, à un endroit politiquement correct, mais à partir du moment, c'est comme le système le vestibulaire et la VR, à partir du moment où il va vibrer de façon synchrone avec une dramaturgie dans le monde virtuel, le subconscient va adapter cette information supplémentaire, qui peut ne pas du tout correspondre à la simulation réelle de... An educational format focusing on the impacts of technologies, the creators of the future. But who are the creators? Well, you're all here, I can see you there. So you better be at VR Days at the end of the year, right? Started VRAM Festival. What is VRAM Festival? It is a virtual reality and arts festival. It's an annual festival that's taking place in Hamburg, in Germany. So in 2020, we had for the first time a large-scale online program besides our physical festival in Linz. And director of the art festival of Casablanca, a film critic and a film scripture. And I'm going to drop that into another gate over here. Give it a bit of a look.